Radio 1, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Premièrement, situer les responsabilités avec le gouvernement. Parce que ça va être là depuis plus de presque deux semaines. Qui manière finir une réaction aussi tardive que ça? Nous devons cause ban tug ship qui t'y besoin là. Malheureusement, nous t'en disons c'est maintenant que c'est arrivé. Et il y a une coopération régionale. Quand il y a une urgence maritime, on va agir vite ou passer à l'action vite. Ce n'est pas besoin de discuter avec le salvage company. Il a besoin, c'est urgence. Il demande un comité d'urgence. Et on passe à l'action le plus vite possible. Nous faisons sortir, nous ne pouvons pas encore sortir dans sa urgence sanitaire. Voilà avec quelles conséquences nous trouvons. Pour nous, c'est un IPAL vers un désastre écologique maritime. Nous pouvons, premièrement, bientôt, nous prenons une date que tout peut faire ouverture des frontières. OK? Mais voilà, ouverture des frontières, voilà donc la situation. Nous disons bien prendre toutes les précautions ouverture des frontières parce que le secteur touriste, c'est l'équerre poumon de l'économie. Nous trouvons dans une situation extrêmement difficile. Deuxièmement, entendre ça, madame, là, qui veut dire. Vous êtes en plaisancier, en beach hawker, ou en pêcheur, ou en une famille, en région côtière qu'il a, ou en un enfant, et en un parc marin. Nous, parce que la vie et la livelihood qui peut aller. Nous situer la, comment dire, les responsabilités avec les responsables qui sont au gouvernement aujourd'hui, parce que ils traitent la question avec beaucoup de légèreté. Bon, par l'espace d'une récit, écoute le capitaine Donat qui me causait. On trouve Coast Guard. Rien ne va plus. Port Authority. Et d'un moment comme ça, le moment qui s'attire, comment prend ample connaissance de ça, avec technologie qui est là, Tibizin, au moins, il y a un hélicoptère. Right? Pour connaître, pour faire assessment de la situation et agir vite au niveau de sa coopération canale. Où est la commission des Indiens, où est l'Indian Ocean Rim, où est la SADC, tout ça là dans son plan, au-delà de ce qu'il nous est là, lors de ce qu'on appelle National Contingency Oil Spinning Plan. Voilà notre qui s'est consensuité pour considérer la situation extrêmement grave et ça interpelle nous tous et parce que c'est l'esprit communautaire et la vie communautaire qui est en danger aujourd'hui. Radio 1 sur le www.r1.mu.